Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite pour un stream recap. Nous sommes le dimanche 18 août 2024, il est environ 21h35. Et on va jouer ce soir le free roll VIP Diamond que j'oublie toujours de jouer. Donc voilà. Et en parallèle, on va se jouer un truc avec le ticket à 125 balles qu'on a gagné l'autre fois. Main event knockout. Eh ben écoutez, let's go. Hein. Utiliser le ticket. Donc on a foldé une main. On vient d'arriver hein, sur le free roll. Donc on a foldé. Qu'est-ce qu'il me fait ? Replayer. Recherche en cours. Alors là, ça push 58 blindes. Et on a 7 et 10. Avec 15 blindes, évidemment, on va gentiment fold. Je peux avoir mon replayer ou comment ça se passe? C'est Winamax, c'est vraiment dans les choux, encore une fois. C'est beau. Valet 7, Salim chez Salvatore, 82 blindes. Ouais, on va pas rentrer dans ce coup-là. Ace 10, on a un spot de re-squeeze. Ah ouais, bah attends. Ah oui, si, c'est bon. On va relancer, évidemment. Là, on a quand même de la profondeur. 6,6. C'est un peu bas. Ah, bah là, c'est un bon flop. On va mettre un petit pot size. Avec une top pair, top kicker. As-Valet. 15 blindes ici, on va mettre tapis. Ok, ça fold. Très bien. Alors, donc, et on va se mettre le pressel rock. Donc, l'historique totalement dans les choux, évidemment. Ah, là, on a l'historique sur celui-là, mais sur celui-là, bon, il est dans les choux, je ne sais pas pourquoi. Hein? Comment ça, je me suis fait sortir? Pourquoi il me se désinscrire? Mais c'est quoi? J'ai push As-Valet, j'ai été payé par quoi? Mais c'est horrible ce jeu, attends. Comment je peux faire pour... Je peux pas voir ma main en fait. Eh mais sérieux. Winamax quoi. Winamax, le truc il est bugué. Il est bugué. En fait je peux pas voir mes mains. Sur le free roll. J'ai push As-Valet, je sais pas par quoi je me suis fait sortir en fait. Il me demande de me désinscrire. Non mais c'est complètement con. Valet 10. J'ai envie de défendre Valet 10 off en position. J'ai pas forcément envie d'iso. Allez, on va défendre. On va se mettre au Petal Rocks pour avoir un peu de musique quand même. Alors, il y a peut-être un joueur qui va avoir envie d'iso justement. Alors attends, est-ce que ça marche? On va avancer pour voir. Visiblement, on a du son. Voilà. Ah, pas du tout. Il a ISO à 14x le mec. Hein. Le Tommy Hilfiger. Et là, ça envoie... Du coup, ça fait combien? 87? 91 blindes quoi. Ah ouais! Ah ouais! Waouh! Bon bah je me suis fait sortir du free roll avec As-Valet, je saurais pas contre quoi. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment Winamax, chapeau votre application. Hein. Chapeau l'artiste. Hein. Il a 67% sur 3 mains. Dans une main où il a envoyé 200 blindes, enfin 90 mais... Après il coupe tout le monde. Et c'est un knockout. Mais... Sinon ça joue agressivement. Hein. Tribet, hein. Ok. Bon bah c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir avec quoi je me suis fait sortir du free roll, mais je ne saurais pas, tant pis. Bah du coup pour le moment on n'a plus qu'une table. C'est un peu relou. J'espère que vous allez bien en tout cas. Je fasse l'annonce sur le Discord. Donc là on est up. Fold ici. Ouais.
Bon, bah c'est un peu relou parce que comme on n'a pas de rôle, vu que la rôle c'est à partir de ce soir, pour le stream de demain, ben là, c'est un peu tristoun quoi. Un peu tristoun. Qu'une table. Après, comme c'est une table knockout, si jamais on a de la chance et qu'on arrive à sortir un mec, on aura de l'oseille pour jouer des bullish quoi. C'est bien. Donc ben, il n'y a plus qu'à. On va se mettre un peu de lumière. Et on va se mettre une ambiance plutôt... Voilà, comme ça. Un truc un peu sympa. Ah, le free roll, je suis dégoûté. Hein. Désolé, hein, mais l'historique qui marche pas, ça m'a défrisé, quoi. On a comme truc à la con, là. Super free roll. Ah, on a un ticket 10 balles. Ah ouais. Alors, on peut faire un expresso. Il n'y a pas des tournois, là. Ah bah attends, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va se prendre le ticket 10 balles. Tournoi. La fièvre. 3 minutes. Vas-y, hein. Allez. Ace Queen alert. Ace Queen alert. Bah 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 bah. Sur le 125 balles. Allez. Oh, j'aime pas la fièvre en fait. Je crois que la structure elle est ultra vénère. Un raise. On va relancer un peu plus que tout à l'heure. 7,4. Estime mes tapis, j'y vais bien entendu. Viens chercher ton titi, viens chercher ton bouboun. Viens chercher ton bounty. Il a 80% sur Steam 1. Genre, il joue toutes les mains. Alors là, par contre, j'ai rien touché, mais bon. Écoute, hein, s'il a mieux, bah tant mieux pour lui. Nous, on y est. Nous y sommes. Putain, le board. 2, 8, 4, off. Rainbow, quoi. Allez! Oui, bah, 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 bah. Oui, bah oui, parce que là, le mec, il a 250 blindes. Bon, il a 4 fois le stack de départ, quoi. King 10. On joue 20 blindes. On vient d'arriver. Et on nous relance direct. Je pense qu'on va faire ce qu'on appelle une défense du pauvre. C'est-à-dire, tu vas just call. Ah putain! Oh là 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 là, le board, il est horrible, on a pair open-ended. Est-ce que c'est un raise à tapis, sachant qu'il a quand même beaucoup de... Enfin, s'il a As-3, on est drawing dead. Enfin, on peut que split, quoi. C'est relou, hein. On va perdre de 9. On va check, hein. Putain, c'est horrible. Horrible. Ah ouais, eh ouais, eh ouais. Et à la flush backdoor, mais bon, on n'y croit pas trop, mais... Le problème, c'est que j'ai que le 10, quoi. Je peux pas payer... J'ai mis 4 blindes en soi, c'est... Ah, mais en fait, tous les replayers sont morts, sauf le replayer... Mais normalement, c'est censé être le même... Ah ouais, non, en fait, il est vraiment dans les choux. Bon, là, on va mettre le tapis hein, avec nos 13 blindes. Oh, il a paire de 8. La cruauté. La cruauté. TNT. TNT, bon, tant pis pour la fièvre. Alors... Mettre statique. On a TNT. À TNT. On va tout péter. Bon, la fièvre, c'est pas cool quand même. Hein.
Bon, c'est comme ça. Il y a Arya qui se pose des questions, mais les Big Blind, d'où tu te poses des questions? Alors lui, on le couvre. L'avantage, c'est qu'il peut pas nous sortir. Bon, par contre, si on perd le coup... Ah, vu qu'il y a les carreaux, je vais quand même miser. Hein. C'est un peu relou. S'il met tapis, j'ai le seum. Franchement, s'il met tapis, je suis tellement dégoûté, quoi. Et il me paye. Alors, il peut être sur flush draw, il peut être sur deux over avec, je sais pas moi, As Dame et leur vie de coller, quoi. Il peut être sur un roi, paire de 7, paire de 3, paire de 6, c'est peu probable. On va check back ici, on va réévaluer river. Du coup, le roi qui double, il a moins de rois. Il peut avoir As 7, mais il aurait payé le 3-bet. Il peut avoir As 3 au roi dame. Oh, je vais check back, hein. J'ai peur de me value cut. Ouais, je vais check back. Après, s'il a perdu la lèche, j'ai fait, mais... Il a As-Dame de carreau. Il a As-Dame... La lecture du joueur français. La lecture du joueur français. Bah, 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 bah. Allez. Ok. Ok, ok. Bah, écoute, c'est cool. Bon, le replay en marche fonctionne sur ce tournoi, c'est déjà pas mal. Mais Winamax est dans les choux, hein, on est bien d'accord. 18. D'un côté, t'as envie de le jouer, tu vois, mais de l'autre... Ouais, je suis à 36%, on va fold. Alors, merci Silver Angel pour le Prime, troisième mois d'affilée. Et merci Bidoudoudi pour le Prime, 14e mois. Ça fait plaisir. Ah, merci, Silver Angel. Et merci, Bidoudidou. Abonnez-vous. Bon, c'est un petit stream qui était pas assez... un peu. Enfin, j'avais pas vraiment prévu de. J'avais oublié le free roll en fait. Mais du coup, comme ça, on joue plus de caisse à 25 balles. Je suis un peu étonné que sur ce flop, il n'est pas décidé d'envoyer patate. C'est fou ça. Ça aurait été compliqué pour moi de payer. Hein. Je pense que j'aurais peut-être fait à cause du flush draw. Mais j'aurais été un peu déçu du me retrouver à tapis comme ça contre deux over plus flush draw. Alors si ça avait été le même run out, j'aurais été content au final. Mais non, 6,8. Oh, regarde ça. Ace Deuce. Non, la table, elle est énervée. Hein. Merci Betting59 pour le restub. Quatrième mois. Salut Moroto, good luck pour ce soir. Essaie d'éviter les bad beats. Comme d'habitude, en général, j'essaie. Araya, il a 15% sur 13 mains. Donc là, il a nécessairement mieux que moi. Et l'autre, il a 8% sur 13. Du coup, je vais quand même défendre parce que j'ai un As dégueu. Mais bon, on a l'As de pique et on joue la ventrale 4. Bon, on va forcément voir au moins un turn. Alors là, si tu me mets le 4 de pique, c'est Alpha King Dente. Mais juste un 4, je m'en contente. Hein. Oh, oh oui. Oui. Oh oui. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ouais, mais là, ouais, on va quand même miser, hein, parce que il a souvent un As quand même. Et si je mise pas, il va check back une partie de ses As en pensant que je peux avoir la quinte avec un 2, ce qui est peu probable, mais là, je lui donne quand même une cote sympathique. Après, il a check tout du long. Ah, il me paye avec un As. Il me paye avec.
As 4. Oui, bah. Oh, c'est beau. C'est beau, j'ai touché le 3 à hauteur. Ça, c'est magnifique. Après, ça splitait très souvent, parce que si tu mets genre un 5, un 8, un 6, machin, et derrière un roi ou je sais pas quoi, ça split, mais c'est beau, là. Petite value, avec ton As-4. Sur le free roll, tu avais As-Valet, tu étais As-Roi et paire de 10. Un As est tombé. Ah ouais, merci pour l'info. J'ai pas du tout vu. Sympa. Merci pour l'info. Queen 9. Ça, c'est mon bouton. T'as envie de défendre, quoi. C'est presque une Davidi. C'est une Davidi overclockée, mais... Mais en même temps, bon. Si l'autre, il se réveille, le Tommy Hilfiger, là. Ah, regarde ça. Regarde ça. On aurait totalement raté notre flop, là. Oh là là. Tommy Hilfiger. Qui s'accroche. Et ça check back chez Aria. Pas serein. Pas serein du tout, ce petit check back. À moins qu'il soit en mode trapiche avec paire de rois et il a le full et il veut tout prendre. Il veut tout prendre. Ah non, pas du tout. Il a rien du tout. Roi 3, on va fold. Non mais c'est chelou l'historique qui marche pas là, hein, quand même. Hein. C'est relou. Hein. Heureusement, là, il marche sur ce tournoi-là. Parce que bon, à ce prix-là... Là, tu dis, mais remboursé, quoi. Pas possible. Non, mais sérieusement, Winamax, ils ont un souci. En plus, je viens de faire la mise à jour, donc ça veut dire que leur soft, c'est un bug qu'ils viennent d'introduire dans la dernière version, quoi. Attends. On va relancer, évidemment. Mais est-ce qu'il... J'ai les doigts palmés. Allez, paire de 5, on relance, évidemment. On joue. Alors, est-ce qu'on va... balancer 14 000, la moitié de mon tapis en gros, avec paire de 5. Waouh, et il y a l'autre qui paye. Ouais, je peux pas. Il hein. Y a l'autre qui paye, il me couvre et il y a le bounty. Non, vas-y, c'est bon. Ouais. Ouais, j'aurais bien mis tapis, tu vois, mais lui, il me payait et... Puis jouer le flip, là, ça m'arrangeait moyen, en fait. Ça m'arrangeait moyen. Tout seul, je l'aurais peut-être payé, mais 40 blindes, ça faisait un peu chier quand même, paire de 5. Paire de 8, paire de 9, paire de 10, oui, paire de 5. Bon. On verra bien. Tommy Hilfiger, qui est dans beaucoup de coups, mais... On va mettre un second bar quand même. Hein. On va mettre un second bar parce que j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il nous fait le Tommy là. C'est vraiment l'as. Il nous dit qu'il a l'as quoi. Bon bah moi aussi, hein, je te dis que j'ai l'as. On verra. Tu me crois, tu me crois pas. Oh, il a un bel as. Ah, il a un bel as. Altomi, il m'a atomisé. Ah, oh, putain, il m'a jamais cru, hein. Putain, carte des strips de merde, là. Ah, là, 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 lourd. Carte des strips de pas bon, là. Ah, on vient de perdre un sizable pot. Assez conséquent, il faut bien le dire. 8000 balles, enfin 8000 jetons. Hein. Et là, encore une main bancale. Ace 8 off en défense de Big Blind. Bon, t'es un peu obligé de défendre, mais tu sais que ton as il vaut pas grand chose. Après, tu bloques les meilleurs as. Alors, par contre, là, c'est pas mal. On a une top pair, top kicker, backdoor nut flush. Par contre, 5 et 6 évidemment. Il met 4x. On va réévaluer au turn. Le turn qui change rien. J'aurais préféré voir un cœur. Hein. 8. Là maintenant on perd contre Valet 10.
C'est dur. Je pense que je vais check back. Et tu vas me dire quelle est l'idée du check back. C'est que je peux induce un bluff. Et alors que si je bet, je me ferai payer que par mieux. On a l'as de cœur, donc il peut pas avoir la nut flush, mais on va voir ce qu'il fait. What just call ici. Oh. Cruauté, quoi. Oh là 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 là, putain. Oh, le 8 assassin. Oh, le 8 assassin. Cruauté, quoi. Cruauté, mais... Oh, la cruauté du game, quoi. Oh, la cruauté dure. Dure. Oh là 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 là. Et puis là, j'ai pas envie de raise à tapis avec l'as de cœur, parce que... De toute façon, avec son dame 10 de cœur, il m'aurait payé. Oh. Même si je... Enfin, c'est un bon move, dans le sens où t'es le seul à pouvoir avoir la nut flush vu que t'as l'as de cœur. Mais bon, le Tommy là, il m'aurait payé. Oh putain, la chatte. Oh la chatte. Oh, c'est dingue. Pff. Ouais, c'est dur. Bon, bah on est en break. Super. Et on n'a pas de roll. Super. Je crois qu'on avait joué hein, l'autre jour les tickets. Hein. Il me semble. Hein. Avec les miles. Hein. Il me semble que... Pourquoi 18 tickets. Super free roll, 100k, stade 1. Stade 1. Stade 1. On va le dire en français. J'ai 2 tickets, stade 2. Bon, vas-y, on va faire des trucs comme ça. Pour la pendant la pause. Ah bah d'accord, c'est mort. Bon bah. Ah, je m'inscris pas assez vite, c'est ça. Hein. C'est inscrit. Mais. C'est inscrit. Mais. Aucune partie disponible. Non mais... De quoi ce truc? Ah. Ça y est. Il me les a... Non, c'est bon. Alors, ça s'envoie sur les chicots direct. Bon, paire de 4, on y est. Hein. Là, sur ces free rolls là, tu te prends pas la tête. Oh, il avait dame 10 de cœur. Quelle cruauté. Quelle cruauté. Quelle cruauté. Mais c'était ouf. Oh là 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 là. Oh. Oh. Le roi dame qui se met bien. Attends, il se bloque tous les as là. Deux paires dame 8 qui cœur as. Ah non, le replayer qui marche pas. Carton rouge Winamax. Carton rouge Winamax. Non mais carton rouge là Winamax. Le player qui marche pas. Alors attends, je vais peut-être tenter un truc. Ah mais attends, il est absent. Bah vas-y. Il me paye. Hein, mais... L'autre il est absent. Ah merde, il me paye. Oh non, il paye avec J9 en plus. Ah le 7. Le 7. Ah non, le trèfle. Ah bon, on n'est pas mort. Ah, il y a un quatrième là. Ah, j'avais pas vu.
Non mais sérieux. Eh mais le replayer qui marche pas, c'est horrible. Comment ça se désinspire? Mais Winamax quoi, votre logiciel il pue la merde, désolé. Il reste combien de temps là sur l'autre logiciel? Enfin, sur l'autre tournoi je veux dire. 8 secondes. Oh, sinon j'aurais relancé Winamax pour avoir un historique qui marche. Peut-être que ça aurait corrigé le problème. Bon bah les déglingos, hein, c'est mort. Non mais c'est relou l'historique qui marche pas quand même. Allez hop, ça dégage. Quittez. 5 et 8. Putain, le Tommy Hilfiger, il nous a mis mais une douille sur le 8 de cœur. Le seul 8 qui nous permettrait de payer comme ça, perdant, tu vois. Ah, c'est ouf. C'est un outer, en fait. C'est un out qui touche. Hein. C'est un putain d'out, quoi. Putain, qui donne brelan, mais qui lui donne couleur en même temps. Un putain d'out, quoi. Quel chatard. Quel chatard. Parce que sur tous les autres cœurs, on se serait méfié, tu vois, évidemment. Le 6, catastrophique. Le 10 aussi, fait quinte au 10 aussi. Toutes les cartes au-dessus du 8, on se serait méfié de cœur, dans tous les cas. Oh, putain. Bref, c'est comme ça. That's poker. On va juste compléter. On a le 5 ici. On va bet. On joue 3 de cœur pour la quinte flush. Il a 5% l'autre. Faut quand même se méfier. Hein. On va check ici avec notre couleur hauteur 5. Et il check perdant avec 7 et 2. Ambitieux. Ambitieux. 7 et 2. Ah oui. Ok. Jouer les 3 et les 8, mais... Mais pas les 8 de cœur. Bon, bah on a repris un petit pot, pas grand chose, mais... De quoi nous mettre un peu de baume au cœur. Vous êtes 56, bienvenue à vous. Mais pas de bet river parce que franchement, prends un raise, t'as l'air con. Hein. A suite as 10. Alors Tommy, comment il a joué Tommy? Il était de big blind. Payé. Un check. Ok. Paire de 3 contre G8 Accra. Bon, bah, on va défendre ici. Hein. On a 46 blindes derrière. On peut défendre. Allez, 1-3, voire 2, ça serait bien. Ah, c'est pas le bon flop. C'est pas le bon flop. Et là, s'accrocher, s'il y a le 3 de pique, c'est pas ouf, quoi. Alors, il check. Il peut être nutsé avec paire d'as, paire d'as 6, paire de 2. Bon. On va check back. On va pas s'enflammer, hein. Ultra polarisé, là. Il met 4x dans cette tête. Non, mais là, on va give up. On va give up. Tant pis pour moi. Mal aux yeux. Pas enfin, mal aux yeux. Je suis fatigué, quoi. Demain, on bosse, quoi. Oh, demain, j'ai au bureau. Oh. Ah, j'avais pris mon vendredi pour faire le pont, quoi.
On a pris un week-end pour fêter les 70 ans de mon grand-père. De mon grand-père. J'en perds mon latin. De mon père. C'était très sympa. Une auberge de jeunesse, là. Enfin, plutôt de jeunesse. Une auberge, une maison d'hôte. Oui, c'est ça. On a loué une maison d'hôte. Un gîte, quoi. C'était vachement bien. On s'est fait des balades. Il y avait une table de ping-pong dans le jardin. C'est sympa. J'ai dormi, je vous jure, j'ai dormi, mais un truc de ouf. J'avais beaucoup de manque, enfin beaucoup de sommeil en retard. Beaucoup de. Ouais. J'étais en manque de sommeil. J'ai joué sur mon téléphone, du coup, sur PMU. Je fais du cash game 5-10 en PLO. Donc avant avec 20 blindes. Premier jour, ça s'est très bien passé. Je monte sur une table à 1700 balles en partant de 200 balles. Mais j'avais perdu une cave à 200. Donc j'ai cash outé. Le lendemain, je réussis à cash outé en montant à 1000. Je cash out 500. Donc j'ai cash out en deux fois, j'ai cash out 2000. Après, je perds ma roll. Et il se trouve, comme je l'avais cavé, mais j'avais pas joué la semaine d'avant, j'ai pu recaver, donc j'ai remis 500. Je monte à 1000, je cash out 500, il me reste 500. Et malheureusement, j'ai reperdu mes 500. Mais sur des trucs, franchement, les mecs en pielo, c'était éclaté au sol. Éclaté au sol. Ils payent avec des mains, pré-flop. Et oh là là, totalement déconnecté de où. Mais vraiment, mais... C'est du punto banco, les mecs. Après, de temps en temps, ils te la mettent. Toi, t'as paire d'as bien assorti avec toi, des bêtes cartes et tout. Et de temps en temps, bah, ils te la mettent, quoi. C'est un peu relou. C'est le pied lot, quoi. Mais c'est sympa. Il y avait As-9 contre paire de valet. Elle a fold. Je me prends un tribet à 6x contre un mec qui joue que 4%. On va folder, hein. On va pas se prendre la tête. Là, honnêtement, le mec il a pas joué une main. Enfin, je veux dire, il a 4%. Bon, maintenant, du coup, il a 8%. Mais Ace Queen alert. Ace Queen alert. On envoie les bouliches. Bon bah espérons que ça gagne, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour le moment on galère un petit peu là, mais on est encore en vie. Déjà ça. On va lui mettre un petit tribet dans sa bouche. Hein. Estime mes tapis, c'est payé, bien évidemment. Il est redescendu à 43%. Hein. Incroyable. Allez là! Allez, paire de 9! La main de tous les dangers! Comme d'ailleurs, c'est valable avec toutes les mains, mais. C'est pas faux. Mais là, c'est paire de 9 que j'ai dans la main. Alors, moi je pense que lui il va relancer. Hein. Il recommence. On continue. 7,3. Estimé tapis, c'est payé, évidemment. Il va en avoir marre. Il va en avoir trop marre, le mec. À chaque fois, je lui claque un petit tribet dans sa bouche. Allez, on voit. On se le fait, le flip. C'est parti. Au pire, j'ai perdu. Qu'est-ce que je dis?
Ma vie s'arrêtera pas, hein. C'est comme ça. Hein. Ask poker. Bon flop s'il en est. Là, je vais te dire. Je vais le jouer en mode. Enfin, c'est pas vraiment un overbet, mais. Je me commit. Ah, je me commit là. Allez, bah. Ah oui, j'allais pas bet tout petit là. Imagine un roi ou un as au turn. J'ai tellement le thumb. Là, je prends ce qu'il y a au milieu. Allez. Allez Clément, t'es là. Tu te vas. On a repris un petit 4442. On attaque le chip leader. Ouais, mais bon, on reste tout petit. Pour le moment, le seul duquel on peut prendre le tapis, c'est Ruru, mais il va sûrement se faire sortir là, donc voilà. Bon, pour les KO, on repassera pour le moment, mais bon. On va le faire en deux fois. Doubler une fois, puis après finir le type. Il y a Osho Bagwan qui se pose des questions. C'est la pince de la table, mais s'il se pose une question, c'est qu'il doit être bien armé. Il doit être bien armé, le garçon. Et il se dit, ah, mais il y a Tommy Hilfiger derrière. Oh là là, on jouait les 4 en ventral. Vous allez voir, le turn, c'est le 4 de pique. Je ne veux pas vous révéler l'histoire, mais c'est le 4 de pique. Je sais. Voilà, c'est comme ça. Il y a Ruru qui... Bon, attendez. Ah, c'est pas cette histoire. Hein. Pardon. Du coup, c'est quoi le turn? C'est peut-être un 7 de pique, du coup, la river, je veux dire, hein, du coup, là. Eh oui. Ou un 4 de pique, du coup. Après, le 7 de pique m'arrange moyen. Bon, je suis pas dans le... Ferme ta gueule. Mais... Ah, Ruru, là, et... Ouh là là, le sexe. Le sexe on the river. Le sexe de pique, évidemment. Et ça check chez Tommy Hilfiger. Queen 8. Et Ruru, As-Valet avec le valet de cœur. Oh là là, il a lui a mis Queen 8. Ah mais pourquoi il a pas bet au flop Ruru là? Il est con. Ah il est vraiment con hein. À 10 points, l'illisibilité, bien évidemment. On a un as à sortie. Non, Tommy Hilfiger, c'est Run Good quand même. Hein. C'est Mr. Run Good. Hein. Et tout à l'heure, Dame 10 contre As 8, machin, Dame 8 contre As Valet, ça va. Mais super bien. À 10 pour l'illisibilité. On est contre une big blind. Aria. On a les backdoors. Ah, il nous met un vilain tribet dans la bouche. Pour avoir 9 et 10. Je pouvais check back en soi parce que j'avais le backdoor flush draw, mais voilà, on va se donner le temps de la réflexion quand même. J'ai un peu de time bank. Waouh, on va fall, mais le pire c'est que je check, il y a un cœur qui rentre. Waouh. Ouais, bon, il n'a pas rentré river, mais. Et voilà, ça y est, Ruru qui est dépité, qui met son tapis. Ah, aïe, elle est dure cette table là. Elle est dure. Vous êtes 55, bienvenue à vous. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. N'hésitez pas à prendre des clips aussi, n'oubliez pas, il y a des choses intéressantes. Des moments insolites, des moments amusants. Personne n'a payé. Je vais quand même retenter le coup hein, avec une main certes marginale mais à fort potentiel, j'ai envie de te dire. Et plus ou moins déguisé. On attaque le petit.
À 10 pour l'illisibilité. Bon, là, s'il défend là avec son tapis, pas déconner, quoi. Valet de 2, il n'y a pas plus pauvre comme board. Rainbow, quoi. Valet de 2, le mec, il défend Big Blind. À moins qu'il ait, je sais pas, T2. C'est bizarre, avec quoi il défend. Alors, Tommy, notre bête noire, j'ai envie de te dire. Bon, ici, on a un clear call, hein. Ok, on a une top pair. Avec un kicker décent. On va pas trop s'envoyer en l'air, hein, avec Dame Valet dans ce spot. Mais 1,8. Pour le moment, c'est un clear call, je pense, avec la Dame de Carreau en plus. Le Roi est une relativement mauvaise carte, hein, il faut bien reconnaître. Même s'il y a une Dame qui rentre, on perd contre As-10. Ouais, c'est vraiment pas la bonne nouvelle, hein. C'est pas la bonne nouvelle du tout, hein. Vraiment pas la bonne nouvelle, hein. Et il envoie un parpaing à 7 blindes. Je vais faux là, bien évidemment, hein, mais il se dit que la flush draw n'est pas rentrée. Il peut avoir hauteur as, mais je vais faux. Je vais pas faire un hero call ici. Je vais pas jouer mon tournoi sur Dame Valet dans un spot où il peut vraiment être en value. Il a quand même l'initiative pré-flop. Il a des rois, hein. Il y a même des foules en potentiel avec la doublette du 2, hein. Ah, c'était... Ouais, je sais pas trop. Pas trop quoi en penser. Peut-être qu'au flop, fallait que je mette un petit raise. Je sais pas. Évident, pas évident du tout. Pas de compliqué, hein. Que bon, t'as envie de te dire que le mec il est en train de te bluffer et tout, mais bon, là je perds contre Dame Valet, mais j'ai quand même mon as. J'ai vraiment envie de le miser, quoi. On est contre une big blind. Ah, il sort à chaque fois les notes, hein. Ouais, là, je lui ai envoyé pote dans sa petite tête. Bon, on n'a pas repris tout ce qu'on avait perdu, mais on a pris un petit 3000. Queen Stack. Faut qu'on fasse gaffe qu'on a un VPIP à 52%, là, c'était un peu trop énervé. On a eu quelques mains quand même, mais... On peine, hein, sur cette table. Hein. Entre Tommy et le figure, là... Je sais pas, peut-être que sur le flop, là, avec le Dame Valet... Je dois faire un petit raise. Je sais pas. J'aime bien Just Call quand même, mais dans sur le roi, give up sur tous les rois, c'était. Ah, je sais pas. Après, mais 34 sur 22, tu vois, c'était énorme. C'est...
C'est vrai que c'était polarisé. Hein. Mais en même temps, s'il espère que j'ai Dame Valet et que je vais pas le lâcher, et genre il a vraiment un roi, genre il a As-3 ou quoi. Je sais pas. Je pense que la raison veut que tu folles sur un tournoi à 125. As-3, Roi Valet. Oh, il y a Roi Valet qui fait la quinte. Incroyable. Il fait x4 le Ruru. As-3, Roi Valet. Incroyable. Incroyable. Le Ruru qui est à 27%. Finalement, pas si mal parce qu'il s'enlève l'As. Oh là là. Il est encore à 26% hein, au flop. Hein. C'est incroyable. Hein. Il a ventral plus une carte vivante. Il a 92. Il veut surtout pas avoir de valet, évidemment. Et ça passe. Bah, bravo à lui. Enfin, bravo à lui. La chatte, quoi, mais... On peut même plus le sortir. Je sais pas si j'ai envie de changer de table. Parce que dans un sens, on a une pince à notre gauche. On a Tommy qui est quand même particulièrement actif. Araya, pas trop actif. Lui, il était très actif, mais il s'est calmé énormément. Ouh, la table. Non, la table, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Jolie chemise. Ouais, merci. Ouais. Chemise, chemisette, quoi. Manche courte. Dame 5, est-ce que c'était une défense? Théoriquement oui. Théoriquement oui. Non. Ouais. Voilà le problème. Bon, t'as la dame de cœur, t'as des backdoors, mais. C'est dur, hein. 10 de cœur. Après on est contre un bouton, mais. Il check. Bon, maintenant on joue que les 10. 4 cartes pour 44. Faut qu'il n'ait pas déjà lui 10. Ah, c'est trop cher. Hein. Non, non, non. Je... Trop de mains qui me battent. Un Tommy là, on a perdu combien sur le coup là? Pas tant que ça parce que je crois qu'il a pas fait de bête au flop. On a perdu 1400, ouais, ça va. C'est deux blindes quoi. On était de big blind donc. Ah là, t'as presque envie de défendre, tu vois. Non mais. Soyons raisonnables. Vous êtes 65, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Elle est dure, la table. Là, la table, elle est vraiment dure. Honnêtement, j'arrive pas à décoller. Je trouve pas de potes. J'ai tenté un bluff avec trois valets. Je suis tombé contre ce valet. Bon. J'ai une main dominante qui s'est fait dominer River. Avec As-8 contre Dame 10 de cœur. J'ai checké mon brelan. Heureusement, évidemment. Et j'ai pas transfo en bluff alors que j'avais l'As de cœur. Et je suis pas sûr que ça aurait pu passer en fait. Je pense qu'il m'aurait snap call avec Dame 10 de cœur. Allez, à 10 pour l'illisibilité. On se fait un bouton. Bon flop s'il en est. Bon alors là par contre, bon. Il est à 6 à 7, ce qui est peu probable quand même. Ok, à un moment donné, on peut prendre des jetons ou quoi? Comment ça se passe? On revient, j'ai presque au stack de départ. En réalité, on l'avait avant les entrées, je pense. Allez, à 10 pour l'illisibilité. Ah, on est obligé, hein, il faut qu'on soit actif. Hein, là, on peut pas se laisser mollir. Paire de 3. Just call pour le moment.
Peut-être que Tibet de Sheria, non. Bah là, c'est pas. Alors là. Je vais check back. Le 9 qui fait rentrer roi dame. Dame 8. Pourquoi tu payes? Les cœurs qui sont rentrés, backdoor. Putain, c'est horrible. Tellement de la value là. Tellement de la value quoi. Putain. Ah, le 9 de cœur est horrible. Hein. Vraiment, mais vraiment, ce type, le Tommy Hilfiger là. Le problème, c'est que si je bête sur ce flop là. Payer bon, raffold ici là un petit peu là après je peux bête hein sur un board valet 10 contre une SB si il paye bon t'es pas serein mais au moins t'as plus d'infos. Ouais, peut-être que j'aurais dû faire mon c-bet. Je voulais faire un delayed c-bet, mais il a repris l'initiative au turn. Le problème, c'est que c'était sur un cœur et il y a cœur river. Juste le 9, il fait rentrer roi dame. Il fait rentrer dame 8. Il fait rentrer 7 et 8. Sans parler des J9, J8, J10. Deux fois As 5, As de cœur, 5 de carreau, As de cœur, 5 de pique, enfin dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Elle est dure la table, elle est vraiment très difficile. Peut-être que j'aurais dû faire mon c-bet avec ma paire de 3, ça m'aurait simplifié la lecture, je pense. Après, s'il m'avait raise au flop, bah... give up, tant pis, voilà. Je sais pas. Pas facile, hein. Il a la position, il a le tapis. Il a la chatte. Regarde, tu mets un petit 3 au flop, là. Ou un petit 3 au turn, allez. Mais après, je préfère un petit 3 au flop. 3 au flop. Voilà, tu mets valet 3, à la limite. Et il me sort valet 9, tu sais, genre turn 9 et je l'ai dans le cul. Non, mais tu mets. Valet 10-3, river turn 9, river 3. Voilà, ça je fais carré, on n'en parle plus. Ok, on a 20 blindes. Et on est en difficulté. Hein. Dame 5, dame 9. Oh là là, ça check. Et là. Et nous, on avait quoi? On avait As 5. C'est fou. Ruru qui attaque 3x en SB versus BB. Oh, c'était une clear call. Hein. Putain. C'est pas notre jour, hein. C'est vraiment pas notre jour pour le moment. Pas plus sec que ça quand t'as me valet. Hein. Roi 7-8 quoi. Là les backdoors, faut aller les chercher. Bon, ça check. L'avantage c'est que ça check. La meilleure carte c'est quoi? C'est un 10. Oh là. Ouais non mais là, faut aller chercher le 10. On n'ira jamais le chercher. Trop cher. Trop cher. Trop cher. Ah, il met 5,5 dans 6,7 quoi. Bon, écoute, pas grave, on a encore envie. 3 valets. Je pense que ce mec-là, il a doublé avec 3 valets contre double As 3. Il a pas fait doublé, il a fait x3 quoi.
On n'a pas tous la même chance. Hein. Putain. On a 16,8 blindes. Allez, on va prendre le spot en SB versus bouton. On est en flip, voilà. Il touche ton set. Au revoir Clément, il reste les 10. Oh, clipez-moi ça. Gros bisous le Zapoc. Sur le 125 euros, le flip qui passe, mais avec, comment dire, avec beaucoup de panache. C'est un flip, ça reste un flip, mais avec beaucoup de panache quand même. Celui-là, il est beau. Celui-là, le fameux 10 River. Eh ben, punaise. Ah, ben, on est encore en vie, ça fait plaisir. Allez, le tournant. Le tournant de la soirée. Ça y est, c'est la fin de la déchatte. Je sens que ça va repartir, là. Attends, c'était bon, quoi. Encore me sortir de la merde là, genre une dame. Après, il me fait un raise. Et il est insupportable. Insupportable, mec. Insupportable. Il est insupportable, mec. Le Tommy Hilfiger, là, mais... Et pourtant, il a 42% de VIP. C'est pas rien, hein. Putain. Ah, l'enfer. Il y a Juju de Pomme qui me dit « Merci pour le stream, Roto. » Ouais, de rien. Ça me fait plaisir. Le fameux ticket qu'on a gagné il y a 3 semaines, un mois, là. On le joue enfin. Et en celui-là, il fallait aller le chercher. Hein. Au flop, on est à 1,62%. Oh la vache! On passe à 9,09. Et bim! Ouh! Le 10! Oh, le mec, il doit être là, mais c'est pas possible. Ru, quoi. Ashru. Ça s'appelle le mec. Ru. Je sais pas trop comment ça se prononce. Qu'est-ce que c'est que ce 6 et 10? Non, mais... Bon, Roi 8, j'aurais bien envie de le jouer, mais là, la table, elle est trop injouable. Ah, ça a limpé. Ouah, ça paye. Un 3,5-6. Ça check. Oh là 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 là. Ouais, non, mais là... Tommy Hilfiger, il est chaud. L'autre aussi, il est chaud, là, le Aria. Oh là 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 là. 8 et 3, je faisais quoi? Rien. J'ai une paire de 3. Allez, maintenant, on va essayer de sortir Ruru et de prendre le Titi, le Boubou, le Bounty. Abonnez-vous. Ça check. Ah, je donnerais beaucoup pour voir les cartes de Tommy hein, sur les mains qui m'a... Avec lesquels il m'a own, on va dire. 6 et 2, mais attendez, c'était Merguezland là. Ah oui, on est en BVB, bon. Oh là là. Wow. 4-7. Ah, il joue les 5 en ventral, donc il paye. Touche ton set, check, il bet avec en pensant value thin. Et l'autre date de paire. Ah, et ça se joue. Je dis pas qu'il a dame 10, le Tommy Hilfiger là. Il a flush draw. Il y en a marre là. Là, il y en a marre. Sharia, là, c'est bon.
c'est Tommy, tu commences sérieusement à me chauffer les miquettes. Donc maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez ta mère, la professionnelle. C'est ce qu'il lui dit. Il est en train de lui dire, en fait. Il a fait un demi géométrique, il a presque le pot size bet. Et là, le Tommy, il fait moins le malin, là. Là, il fait moins le malin, le Tommy, il figure, là. Première main que je vois trembler, pendant laquelle je le vois trembler, là. Ça y est, il a vacillé. C'est un petit péchon. Bon, je vais pas défendre Dame Sext, il y en a marre. Désolé, mais à un moment... King Queen alerte. Pendant ce temps-là, on a Osho, Bagwan, qui est descendu à 4%. 49 points, le mec, incroyable. Aria qui... On voit 2,2. J'ai pas forcément envie de tribet. Je pense que je vais just call. Il est 4,31 et il ouvre en early. On va voir. On va défendre. On a la top pair. Mais 2,2. On va call, évidemment. Là, c'est... Donc ça tienne, parce que là, c'est du call-call tout du long. Hein. C'est check-call, hein, je crois. Hein. Sur quoi? Sur un As. Un 9, un Valet, ce ne serait pas des très bonnes cartes. Je pense pas qu'il me bluffe pas si je check. On va voir. Right, check back. Hauteur As. Hauteur As Dame. On fait pas de value. Je sais pas si j'aurais réussi à me faire payer par hauteur As Dame. La double du 2, c'est intéressant peut-être. Mais bon. C'est pas dit. Je sais pas. On prend un petit coup. En quelques jetons. C'est pas mal. C'est pas mal. T'es à combien? 29 000 après ce coup-là, c'est pas 28 306. On est à 28 427. On est légèrement au-dessus. Bon. Eh, mais là, c'est quoi cette table? Ils se sont chauffés là? Non, j'aurais pu bet river, mais je sais pas avec quoi il m'aurait. Est-ce qu'avec As-Dame il m'aurait payé quoi? C'est possible hein, parce que le 2 faisait rien rentrer et il y avait des draws genre Dame Valet qui rentrait pas, Dame 9. Donc peut-être qu'il m'aurait payé. Il aurait fallu que je mise une mise suffisamment forte pour faire bluffy, mais pas trop pour qu'il puisse me payer avec. Hauteur As, genre 3005, 3008. Oh là là, ça y est, ça s'envoie. Et il est énervé. Et le Aria, là, il est on fire. Il est on fire. Relance. Tibet, payé. Check. Reprise de Tommy. Tommy qui est évidemment pour tous les bons coups. Et il se prend la tebois. Et là, Tommy... Il rentre chez lui. Ah non, mais Tommy, c'est l'opportuniste. Il a dû me bluffer plusieurs fois. Mais le coup où j'avais dame je sais pas quoi, où il y avait un roi là, il met tapis river une fois et demi le pot, tellement polarisé avec mon dame valet. J'ai pas de raison de payer en fait. Trop polarisé. Passé quoi là? As-7 contre As-4. Ah, ça partage. Ok. De paire As-10 qui cœur tête. Wow. Ok. Et nous, on avait quoi? Rien. 10-5. Rien du tout. Alors, il y a Ruru qui se retrouve avec cette blinde là, parce que les blindes elles viennent de sauvagement monter. Ah oui, là, la structure elle nous rattrape de manière assez violente. Hein. On est 279e sur 412 joueurs restants. Il y a 114 places qui pèsent, 114 places qui payent. On est très loin du compte. On est dans le dernier tiers
paquet là. C'est un peu compliqué. Mais bon, on est encore en vie. Et là, il y a Hauteur As contre Hauteur Dame. Ok. Alors, on a une paire de 3. Et on a... J'aurais pas dire... J'aurais presque envie de dire on a très envie de jouer un flip à 7 blindes contre Ruru parce qu'il y a le bounty, mais bon. Et on le gagne, quoi. C'est sûr que si on perd 7 blindes... Que je dois jouer 28 blindes avec paire de 3. Franchement, je crois pas. Hein. Non. Franchement. Sur un autre tournoi, ouais, un truc à 5 balles, mais. Mais à 125€, je pense que je vous dois de. Et je me dois d'ailleurs. De jouer de manière un peu plus conservatrice. Alors par contre, je vais défendre 4 et 3, c'est un peu invisible. Ouais, malheureusement là, c'est trop backdoor pour un 6 de cœur. Oh bah là... Bon. Le problème, c'est que là, il n'y a plus du tout d'autre issue que le bluff pour gagner ce coup-là. Et je vois pas du tout dans quel monde je bluffe. Ouais, non, c'est bon. C'est horrible, hein. Mais non, la paire de 3, c'était trop... Il y a tellement de mains avec lesquelles il peut faire ça. Il envoie quand même 28 blindes, donc il est censé avoir un minimum, une main un minimum solide, quoi. Non, elle est dure la table, hein. Elle est très difficile. Hein. Elle est très très difficile cette table. Hein. Ouais, on va pas folder. On va pas défendre Jack 9 parce que. Il y a les 10 en ventrale là. Et pour une fois, Osho Bagwan est dedans. Et là, Snap Fold. Incroyable. Ace 4, 22 blindes, 23 blindes. Ah, c'est dur. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est dur. Ils veulent tous le bloquer en fait. Ils veulent tous lui prendre son putain de bounty quoi. Mais ouais. Et ouais. Bon, bah cette table elle est vraiment vraiment très difficile hein. Honnêtement putain les spots à chaque fois les décisions quoi. Évidemment sur des trucs à 5 ou 10 balles tu y vas avec ta paire de 3 et tu dis bon bah yolo l'artichaut quoi. Regarde ça, il a réussi à me faire folder un as ce bâtard. Oh là 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 là. Il avait des dames en plus. Ace Queen alert. Ba. On envoie les boliches. Oula, je suis payé par Bagwan. Merde. Relou, hein. Oh, ça passe. Il est vraiment tightish. Tightish de ouf, lui. Bon. On est toujours là. On est toujours en vie. Compliqué. Vous êtes 82, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit mot sur le chat. Ceux qui ne sont pas abonnés à utiliser vos points de chaîne. Oh, le flip. Oh là là. Tout ça pour ça. Le mec, il a attendu 3 plombes pour se retrouver en flip avec paire de 10. Contre Dame Valet, quoi. Oh, mais c'était horrible, sérieux. C'est
horrible, j'ai de la peine pour lui, quoi. J'ai vraiment de la peine pour lui, quoi. La belle gaze. Ah tiens, j'ai une note sur lui, c'est quoi? La grosse pince en MTT. Ah merde. Attends, il est à ma droite. Ah bah, dans un sens... Et il a... Oh, TNT. TNT. On va tout péter. Bon bah là, par contre, s'il faut tout envoyer, hein, avec 24 blindes, 25 blindes... On va tout envoyer. Ouais. C'est comme ça maintenant, voilà, on y est. Et lui, il va vouloir prendre mon bounty, mais bon, qu'est-ce que c'est ? Let's go. Let's go. TNT. La belle gaze. Bon bah là, la belle gaze qui est censée avoir As-3. Bon, j'espère que c'est As-3. En tout cas, j'espère qu'on gagne le coup. Mais je foule pas ma paire de 10 dans ce spot. Let's go. Let's go, mon loup. Comme dirait Angelus. Allez, bah. Oh putain. Wow. Oh, le 10. Ouais, mais ça va être chaud. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, oh, ça passe. Mais c'est incroyable. Mais il était pas en carnaval depuis tout à l'heure. Il arrête pas. Et là, oh là là, la belle gaze qui tribette avec je sais pas quoi. Oh là 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 là, ça passe. TNT, on va tout péter. Oh là là. Clippez-moi ça, s'il vous plaît. Alors là, j'espère que vous avez clippé, hein, parce que putain... Oh, le 20-80. Oui, TNT. On a tout pété. Yes. Oh là 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 là. Je voyais le cœur, honnêtement. Je voyais le run-out cœur, je me dis bon. Oh, c'est parfait. C'est parfait. On est encore là, putain. A chip and a chair, on lâche rien, on est devant Tommy Hilfiger. Peut-être qu'on va réussir à le sortir et à prendre son titi, son bouboun, son bounty. Ça serait pas mal. Oh, j'en reviens pas, putain, c'est incroyable. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou ce coup. C'est complètement dingue. Mais attends, j'ai perdu 10 dans ce spot. Je veux dire, je suis en maladie depuis tout à l'heure, j'ai pas de jeu. Il y a un moment, lui il vient d'arriver, je me dis bon, il joue le gros qui arrête pas de jouer, tu vois, et il se dit vas-y, je vais lui faire peur. Oh là 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 là. Oh le 20-80. Oh là là, cette paire de 10. Oh cette paire de 10. Oh TNT. C'est fort. Non, TNT c'est fort. Franchement, TNT. Oh, valet contre A5. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça check. Nous, on avait quoi, 10 et 8? On avait de la merde. 3-5. Je vais fold ici. Lâchement, lamentablement. Parce que maintenant, j'ai un espoir de gagner ce tournoi. Oui! Oh oui, il faut qu'on prenne des titis, des bouboune, des bounties. Allez! Allez, allez! Oh là, ça limpe chez Tommy Hilfiger. La chatte légendaire est en train de disparaître, enfin j'espère en tout cas. Pour le moment, le duel entre lui et Arya tourne plutôt à la faveur d'Arya. Il s'est pris deux boitasses, deux fois deux boitasses là. Il s'est pris deux boitasses. Alors, moi il y a écrit, alors à l'époque j'avais cette note là, je sais pas si elle est toujours, on verra, on la mettra peut-être à jour, mais j'avais la grosse pince en MTT, je vais folder à suite. Oh. La lecture, l'utilisation des notes. On verra si ça se trouve, c'est pas du tout une grosse pince, c'était peut-être un jour où il était card dead de ouf. Sur toute une série de mains, le mec il était card dead. J'en ai conclu la grosse pince. On verra.
Pour le moment, il est actif, hein, 40% sur 5 mains. Car régular, s'il en est, la bête gaze. Les ladies! Allez, ladies! Ouh, on envoie les moulis. Alors là, espérons que ça se passe bien. Qu'on se fasse pas sortir par paire de 10, ce serait quand même assez cruel. Après avoir mis l'équivalent de l'autre côté, ça serait vraiment relou, quoi. Oui! Oui! On va sortir Tommy! Oh, Tommy! Oh, Tommy, il figure! Oh, Tommy! Oh, Tommy, je vais t'atomiser avec les ladies. Oh, Tommy! Oh, Tommy! Je t'atomise! On le flip. Regarde Tommy, regarde Tommy. Oui, Tommy! Oh oui, je t'ai atomisé avec le figure. Le finger. Allez, ça dégage, Tommy Hilfiger, dans ton cul. Allez, c'est parti. Et il avait As-Roi. Il avait As-Roi. Peut-être que j'ai bien fait de jouer contre, de jouer d'une manière conservatrice contre lui. Et j'ai pris un Titi, un Boboon. J'ai pris 28,50€. Bah écoute, c'est toujours ça de prix, c'est une bouliche. Et 3,50€. Ok, ça joue 34 blindes chez G8 Accra. Oh, si on pouvait le sortir lui aussi, ça serait tellement beau! Il y a 185 balles là! Ouh, ça fait 92,50€. On va just call ici, évidemment. Alors, malheureusement pour moi, ce flop, il n'est pas à l'avantage d'une défense. Il est plutôt à l'avantage d'un attaquant. Et là, malheureusement pour moi, je vais devoir give up. Même s'il n'a pas souvent l'as. Et il fait un delay de 6 bêtes et il a bien raison parce que le sexe n'arrange pas tellement mon histoire. Bon, ça, il peut pas le savoir, mais ça aurait été un sexe de carreau. Ouais. Il a hauteur roi. Honnêtement, avec hauteur 10, je peux pas payer. Je peux vraiment pas payer. Je ne bats rien. Je ne bats rien. Même s'il est en bluff avec Valet 10, par exemple. Je bats vraiment rien, quoi. Je bats vraiment strictement rien. Putain. Pas grave. Allez. A chip on a chair, on est 52e sur 323 joueurs, il y a 115 places qui payent. Il y a un average à 56 000 jetons, on y en est, soit 40 blindes et on est à 65. On a 1,5 fois le average et un peu plus. On est pas mal. C'est quoi le champignon là? Vainqueur, Summer Club Festival. Ok. Un VIP. Un vainqueur de je sais pas quoi. Putain, du coup, on a moins que la belle gaze, on peut plus le sortir. Ah ah, surtout que la belle gaze, il a 142 balles. Hein, 71 balles à prendre direct sur son dos. Là. Toujours partir derrière, c'est la base. Non, non. Partir avec des bonnes cartes et essayer d'être toujours devant. Mais là, dans ce spot contre G8 Accra, comment tu voulais que je sache qu'il y ait des paires de dames? Parce que si tu me montres ces cartes pré-flop, je fold ma paire de 10. Tu vas me dire, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Et ici, on va fold, évidemment, au notre bouton avec Dame 5. Je pourrais le relancer, mais bon. On va redescendre un petit peu le VPIP, là. On va en profiter, là. Ah bah tiens, Esten Ace King, oh j'ai bien fait, oh bah dites-moi ma belle dame, oh là là, ah bah du coup on a 30 balles de roll maintenant, voilà super,
Qu'est-ce qu'on va se faire avec 30 balles? On est en break. C'est une idée. Ok. Bon, on va se faire. Bon, on va split. On va split. On reste 5 minutes. Vas-y, on va faire deux expressos à 10 balles plutôt qu'une bullish. Juste parce que comme ça, ça fait deux tables en même temps. C'est comme dirait l'expression, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Bon, ça tombe sur 2x2, évidemment, Winamax. On s'en serait douté. Ace 4. Alors, le fameux Rusted Chauve à 25 blindes. Et on est devant. Mais Roi Valet, évidemment, qui va nous la mettre. Normal. Normal, hein, normal. Et il prend sa pastille. Le mec, il me paye Roi Valet off en Rusted Chauve à 25 blindes. Tout est normal. Tout est normal. On est sur Winamax. 57,30%, 14,6% de V dans mon cul. Bon. Ça fait play, ça fait zizir. Ça fait plaisir. F90, ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. À me soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire des dons. Hein. Vous pouvez envoyer des tickets aussi avec vos mites si vous en avez. N'hésitez pas. Tout soutien sera le bienvenu. Il y a plein de façons de me soutenir, plein de façons de me donner de l'oseille pour me permettre de continuer mon activité de streaming et de vous proposer du contenu toujours plus fun. Ah. Win9, la main de tous les dangers, j'ai envie de te dire, oh, il se fout. Bon. 3-8, en BVB, on joue 7 blindes. Ah non. C'était 2, bon. C'était 2. Il est où mon tournoi? Ah, il est là. 2 minutes. Dame 9 contre Asquit. Comment? Attends. Ah, il met tapis. Attends, là, il a mis... Ah, oui, d'accord. Bon, bah, let's go, mon loup, comme dirait Angelus. Hein. On est loin devant. Très loin devant. Ah, bah, voilà, c'est bon. Alors, c'est pas vrai. S'il y avait eu un roi à river, on faisait deux paires à ce roi qui curvalait et je l'avais, ce qu'on appelle dans le cul, on partageait. King 10. Allez, c'est parti. Plutôt bon flop, s'il en est. Il me paye. On va continuer, hein. Et on va check. Ah ouais, Dame 5. Ah ouais, il est éclataxe. Éclataxe. Dame 5. Dame 5 avec backdoor carreau. Backdoor quinte, ok, mais bon. Oh là 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 là. Sur le flop, c'est light as fuck, hein, vu les profondeurs. Hein. Roto dans son A-game, quand il est focus, c'est bien réfléchi. Il défonce tout en vrai. Good luck, tu nous fais kiffer. C'est gentil, merci. Solide roto, on ne fait pas le fou. Ah non. 125 balles le ticket, je l'ai gagné, je vais essayer d'en faire quelque chose. On est pas mal là quand même. Allez, allez, King Kong. Tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez ta mère, la professionnelle. Ah, il reste une minute, merde. Ah, il reste une minute. Ok, je vous mets deux secondes, je vais en profiter. Une minute, hop. Je me dépêche. Merde. Bah d'accord. Non. Ah bah là, si je mets trois plans, on va mettre le timer. Ah, j'ai fait bugger, je crois. Attends. Ah non, c'est bon. Combien du coup? 50 secondes. Putain, merde. Ouais, j'ai juste le temps d'aller me chercher à boire. Hein.
Oh putain, on est de retour, on a les ladies et on a été relancé par Jacra. On va faire un petit tribet normal. Les ladies italiennes qu'elles sont belles. Contre Jacra. J'ai 8 Acra, évidemment. Alors, c'est important ce coup-là. Hein. Et il y a 185 balles. Dur le flop. Hein. On va faire un 2 à la place du roi quand même. Non, 7 de pique quoi. Et le 9. Je suis d'un 6, d'un valet. Putain. Ouais. Là, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire d'autre. À partir du moment où il me paye là, je vais pas bête là. Bon, reste valet. On n'a pas perdu le coup, on s'est pas fait bluffer, mais il était super dur le board là. Pour valoriser avec la paire de dames, c'était chaud. Hein. Et là où il a eu la force de pas vouloir partir préflop. Et de me payer sans les piques, avec hauteur as dame, c'est quand même gonflé. Hein. Je trouve que c'est quand même gonflé. Préflop, bon. Payer le tribet, why not? Après, là, il y a ventral. Et une over, on va dire. Mais le problème, c'est que quand je check, ma main, elle est presque face-up, en fait. C'est soit, genre, une main très très forte. Genre, je sais pas... paire d'as avec l'as de pique ou paire de roi, mais paire de roi sur le troisième pique, est-ce que tu le check? Ouais, pour après il y a des tirages dans tous les sens quoi. C'est pas évident. Et sur le 9, franchement, sur le 9, je check parce que je bats rien en fait. Bah, aucun valet. Bon, les 6, non, bon, ils sont pas trop dans le coup. À moins qu'il ait as 6 de pique et qu'il ait décidé de continuer avec as 6 de pique sur mon tribet préflop, mais bah, c'est peu probable. Ou avec paire de 6, du coup, il check back en se disant, bon, mais qu'est-ce qu'il fait au flop avec. Non, il peut pas avoir paire de 6. Honnêtement, ah, tiens. La belle gaze a défendu cette étoile. Ça s'est joué en BVB, c'est ça? Ok, check, check. Il avait son set. Ah ouais.
Et ça check check tout du long, c'est ça? River. La bet au flop. Check check. Check check. Ok. Il avait son 8 et l'autre il avait son 7. Ok. On est 27ème sur 283 joueurs, 115 places qui payent. Moyen, tapis moyen à 64 000, on a à 40 blindes et on a à 71 blindes. On a moins de 2 fois le tapis moyen. Tu vas aussi stream demain soir? Ah bah évidemment, stream du lundi. Là, c'est stream exceptionnel. Ah, j'ai presque envie de payer parce que j'ai une cote de ouf, mais bon, 3-8 quoi. Même si c'était la sortie à pic, enfin la sortie tour du coup, autre. Tu vas pas toucher très souvent quand même. Puis en plus, tu peux entre guillemets te value cut à l'envers, c'est-à-dire enfin pré-flop. En gros, tu te sens beau avec ta flush hauteur 8, quoi. Et en fait, peut y avoir des meilleurs flush. La sagesse, tu te fais pas chier, tu fold, même si t'as une belle cote. Oula! Quasiment deux fois le pot au turn. Ça sent genre le roi qui a pas envie de se faire payer par une flush. Enfin, un flush draw. Bizarre, hein? Ou un brelan avec paire de 2 ou paire de 6, un truc comme ça. Tu décides pas défendre. Il ouvre au cut-off. Roi 9, ça, c'est pas incroyable en repose. Oh là là. 42 blindes. Et il a envoyé 42 blindes avec paire de 4. Hein. Et j'ai 8 Akra. Il vient de se remettre bien. On a un vainqueur W Series qui envoie paire de 4. Avec 43 blindes quasiment. Intéressant. J'ai foulé mon as. Je pense qu'il est en train d'essayer de prendre. Le tapis de notre ami. Ce qui est cool, c'est que j'ai la position sur lui, donc bon. Oh, regarde le 10, horrible. Je me suis pris un petit chocolat noir bio du Pérou 85. Attends. Excellent. J'adore. Super bon. Ma compagne n'aime pas trop celui-là, mais moi j'adore. J'ai pas envie de jouer un énorme pot contre lui, même s'il y a un bounty de ouf. De la connerie, hein. J'aurais peut-être dû tenter, mais lui il va payer vu le bounty qu'il y a. Après, c'est la moitié de son tapis. Oh là là, j'ai bien fait de pas y aller. Hein. Du coup, je me serais pris un re-raise. Lui il aurait mis tapis, lui il aurait sur, il aurait mis et j'aurais perdu ma relance en fait. Donc, il a pris 92,63€. On est 41ème sur 268 joueurs restants, il y a 115 places qui payent. Pour moi, on regarde pas le payout. J'ai envie de rester comme ça en mode on joue sans regarder le payout. J'ai pas regardé une seule fois, donc je sais pas du tout combien on joue. On verra. On sait que c'est un tournoi, c'est un ticket à 125. Donc, merci tes slides pour le Prime, ça fait plaisir. T-S-I-D-E. T-S-I-D-E.
J'ai mal lu, j'avais lu tes slides. Mais non, en fait, tes slides. Merci à toi. Là, par contre, t'as quand même envie de défendre. Alors, le 10, ici, fait rentrer Dame 9. Mais il a peu souvent Dame 9, quand même. Il y a peu de chances qu'on voit un turn, quand même. Ça peut s'exciter, quoi. Ok, bon, là j'ai une cote assez incroyable parce que bon, au moins qu'il y ait Dame 9 dans le lot, quoi. Je vais aller voir si je peux toucher un 10. Alors maintenant le 10, le problème c'est qu'il fait rentrer As-3 et Roi 9. Là ça devient très compliqué. On va tenter le bluff, hein. Il y a 9 et 10 qui est rentré. J'aurais check au turn avec 9 et 10. Donc j'avais pas d'initiative. Et je bloque 9 et 10. Ah, je suis payé. Bon, j'ai tenté. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir tenté mon bluff. Tant pis pour moi. On aurait pu faire un tout petit peu moins cher quand même. Bon, tant pis. Oh la vache! Waouh! Moi, il a pas 9 et 10. Il n'y aurait pas de check tout du long 9 et 10. Il a jamais 9 et 10 ici. Bon, on sait que lui il a pas 9 et 10. Il pense que moi j'ai pas 9 et 10. Et donc il met tapis. Mais toi t'as pas 9 et 10 non plus. Qu'est-ce que t'as? Incroyable. On sait qu'il a pas 9 et 10. Hein. C'est mathématiquement impossible. Mais c'était très beau là le move. C'est une lecture incroyable. Il se dit j'ai pas 9 et 10. Lui il just call donc il a pas 9 et 10. Alors on m'a changé de table et j'ai envie de te dire c'est pas plus mal parce que waouh le check là. Waouh. Mais il peut pas check 9 et 10 river après avoir. Alors que ça a check 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 au turn. Il peut pas avoir 9 et 10. Check check check. Check encore. Wouah, t'es chelou. Je comprends pas. Je sais pas avec quoi il bluffe, mais il a pas 9 et 10, c'est sûr. Sauf que j'ai pas 9 et 10. Bon. Peut-être j'aurais dû miser moins cher. Hein. Bah, de fait, j'aurais dû miser moins cher. J'aurais peut-être dû miser un petit tiers pot. Genre, ça m'aurait économisé 6000 jetons, genre 8000, 8000 et quelques. 124000. Ouais. Pas grave. C'est chiant, mais. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. Investir 11000. 21 000. Ok, paire de 5. Alors, on a une nouvelle table. Vive rapido. Ils ont pas beaucoup de bounty sur la gueule. Aurora 5.9. Apparemment, c'est un très bon joueur. Il a de la pastille rouge. Ils sont pas nombreux à avoir la pastille rouge. Donc, monstre. Top tag.
Alors par contre, du coup, s'il va à tapis là avec ses 11 blindes, en espérant que les autres rentrent pas, putain merde. Ouais, tant pis. Hein. Allez, j'ai bien fait. J'ai bien fait, tant pis. Pas grave, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait de push. Je perds juste le flip contre Aurora, ce qui est dommage, mais... Ça fait mal. Ça fait mal. Flip qui passe pas. Et moi, j'ai montré à Inevertip là que... Qu'il y en avait dans le pantalon. King Kong alerte. À King Kong alerte. Ah, le Aura qui fait quasiment triple up hein, dans l'histoire. Hein. Grâce à au fall non, c'est fou ça. Ah bah là, let's go. Good luck Clément. Qu'est-ce qu'on va briser la malédiction de la paire de rois? Espérons. Let's go. Ah non. Comme ça, on se retrouve demain pour le stream.